Marwa Loud réagit à la vidéo de Nabil en racontant la vérité sur sa sœur et son implication dans l'affaire avec l'artiste. Ce dernier réplique aussi. Nabil El Moudni a enfin conclu l'affaire de sorcellerie concernant l'artiste et Marwa Loud. Les deux parties s'accusaient mutuellement et des révélations ont été faites, choquantes par les concernés et aussi par l'entourage de chacun. Mais qui a raison à la fin? Et Marwa a-t-elle réellement fait de la sorcellerie à l'artiste? Chacun a fait son propre opinion dans cette affaire et après avoir entendu chaque partie, ses témoins et ses preuves, Marwa était dans l'obligation de prendre ses réseaux pour tout révéler, surtout des histoires très personnelles concernant sa sœur qui était accusée de son implication dans l'affaire. L'artiste a aussi pris la parole avec ses réseaux pour livrer son ressenti. Ce qui est sûr, avec la médiatisation de cette affaire, chacun a subi un réel acharnement venant des communautés des deux. Je vous laisse avec leur dernière story sur le sujet. Par ailleurs, le prochain documentaire du blogueur sera consacré à Carla et la sorcellerie. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'ai fait ce reportage parce que j'avais normalement des garanties de Nabil. Il n'a pas tenu ses garanties. Je l'ai harcelé volontairement. Pour qu'il puisse donner ses éléments dans son reportage. Il ne l'a pas fait. Il a préféré faire passer ma femme pour une menteuse, une manipulatrice, et moi pour un fou psychiatrique manipulateur. J'ai pris mes dispositions pour ne pas me faire trahir comme une quiche. Donc, j'attends que son reportage sorte. Mettez-lui la pression pour que son reportage sorte aujourd'hui, comme ça vous aurez la vidéo aujourd'hui aussi. Ensuite, faut pas que je me perde. Je vais vous sortir d'où vient l'information sur la petite Naïma Larahmaha, tous les screens que vous pourrez télécharger. Je vais vous sortir la discussion avec Nabilou, mon petit Nabilou d'amour, en dessous de la vidéo. Et puis, Inch'Allah, j'espère avoir le fin mot de cette histoire avec les derniers éléments que j'attends. À ce moment-là, je ferai une deuxième vidéo. Ensuite, j'enterrerai cette histoire une bonne fois pour toutes. J'enterrerai et cette histoire et tous les bâtards qu'il y a avec. Croyez-moi. Croyez-moi que c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Même si j'ai un album qui arrive aussi derrière. Wallah, s'il vous plaît, ne pensez pas que j'ai besoin de ça. Ça fait 3 ans que je travaille. Moi aussi, j'ai mis tout seul. Après, mes potes, ils ont mis des coups. C'est pour parler de ma femme. Je lui conseillerais très très vite de retourner vite à la niche parce que ça sert à rien de revenir recenser des choses alors que t'as fait un truc de paltringue. Tu parles sur la femme des gens, frère. La honte. La honte, frérot. La honte. Bref, je vais même pas revenir sur ça parce que franchement, c'est tellement bas de prendre... en photo ma mère et ma sœur qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Donc il les a pris en photo. Donc elles étaient à l'aéroport de Marrakech en train de venir. Donc ça c'est pour la première chose qui dit qu'apparemment Safa elle est chez moi, elle vit chez moi alors que pas du tout. Je vous disais donc du coup Safa elle vit à Marrakech et quand elle rentre en France elle est à Forbach, donc chez ma sœur, une de mes grandes sœurs. Et là, en fait, elles veulent se prendre un pied-à-terre en France aussi pour pouvoir être entre les deux sans tout le temps aller chez ma sœur. Bref, ça, c'est vraiment un détail qui sert à rien, mais bon, c'est pour vous expliquer. Donc, elles sont vraiment entre Marrakech et Forbach. Donc, Forbach, c'est dans le 57, pour ceux qui ne savent pas. C'est vers Strasbourg, vers Metz, tout ça. Donc, voilà, là, elles sont en vacances. Donc, elles sont venues ici. Là, il y a l'anniversaire de ma maman. Elles vont encore rester quelques temps. Enfin, bref, de toute façon, elles sont chez moi. Normal, en fait, c'est la mif. Donc ça, il n'y a pas de problème. Safa, pourquoi elle a quitté les réseaux? Je pense que c'est là où tout, en fait, je vais devoir tout vous raconter. En fait, Safa et moi, on a eu des embrouilles il y a à peu près 4 ans maintenant. 3 ans, 4 ans. Ouais, ça va bientôt faire 4 ans, en fait, depuis mon mariage. Faut savoir qu'en fait, moi... les problèmes avec ma famille ont commencé quand j'ai rencontré mon mari. En fait, elles avaient peur, toute ma famille, hein, donc ma mère et mes sœurs avaient peur pour moi,
Déjà, je pense qu'en fait, en tant que mère et en tant que grande sœur, on a toujours peur pour ses autres frères et sœurs ou pour sa fille, encore plus pour ma mère. Je pense que de base, on a toujours peur de la personne sur qui elle va tomber, de la personne avec qui elle est, enfin bref. Et là, ça a été encore pire parce que bah, j'étais déjà connue, donc ça se disait, est-ce que cette personne n'est pas là pour la notoriété? Est-ce qu'elle n'est pas là pour... Enfin bref, ça a décuplé la peur qu'ils ont eue pour moi. Donc à ça, s'est ajouté plein d'anciens amis qui ont rajouté un peu leur grain de sel dans toutes ces histoires. Et au final, ça a fini par clasher dans ma famille parce que j'étais toujours avec mon mari et que j'ai fini, alhamdoulilah, par me marier avec lui. Aujourd'hui, tout va bien. Hein. Aujourd'hui, tout. Je vous disais, aujourd'hui, je vous jure, j'ai du mal à respirer. Oh wallah, j'ai du mal à respirer. Ça me ressemble tellement pas de faire ça. Oh wallah, ça me ressemble tellement pas. Et en plus, c'était des histoires que je voulais trop mettre de côté. Genre, je voulais même plus en parler. J'ai tellement souffert dans ces histoires de famille. Bref, en gros. J'ai dû changer de place parce que mon téléphone il avait plus de batterie. Du coup, je vous disais, j'avais plus du tout envie de parler de ces histoires de famille. C'est encore un sujet très sensible chez moi parce que j'ai beaucoup souffert, comme je vous ai dit, de cette période. Mais bon, alhamdoulilah, encore une fois, ça va très bien. Tout le monde s'entend bien aujourd'hui, donc tant mieux. Mais c'était des moments très très difficiles. Et pour moi, et je pense aussi pour ma famille. Enfin bref, c'était dur pour tout le monde. Mais du coup, les tensions sont arrivées donc à ce moment-là. Toutes mes sœurs et ma maman donc étaient contre cette union. Et au début, Safa était... Enfin, elle kiffait son beau-frère, je veux dire mon beau-frère. Elle kiffait mon mari, tout se passait bien et tout. Sauf qu'à partir du moment où je me suis mariée, ça a changé quand même du côté de Saf. Parce que je pense... Enfin, j'ai compris par le temps que je vous disais, j'ai compris avec le temps, mais sur le moment, c'était, enfin, je comprenais pas du tout, mais avec le temps, j'ai compris que c'était parce que le mariage, vraiment, donc le jour du mariage, c'était officiel, ça a signé pour elle comme la fin d'une relation sœur, enfin, vous savez tous comment on était, Safa et moi, tout le temps ensemble, 24 sur 24, on faisait tout ensemble. Donc, je pense que pour elle, elle s'est dit, bah, ça y est, en fait, j'ai perdu ma sœur. Donc, ça a commencé à vraiment se barrer en cacahuète. J'ai eu le droit à tout en vrai, hein, des fausses, enfin des mensonges, des faux trucs, bref. Ça, c'est pas important de rentrer dans les détails. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça fait moi, on a arrêté de se parler par rapport à plein de trucs qui ont été faits dans le but de qu'on se sépare en fait, mon mari et moi. Donc, on a arrêté de se parler, enfin, j'ai arrêté de parler avec toute ma famille, à part ma maman, bien sûr, parce que ma maman, c'est ma maman. Je vous disais parce que ma maman, c'est ma maman et que elle, j'ai toujours compris parce que comme je dis, je suis sa fille. Donc elle a le droit à une peur illimitée en fait pour sa fille. Donc, ma maman, j'ai toujours été en contact avec elle. Mais c'est vrai que mes sœurs, j'ai coupé les ponts pendant plusieurs mois, même voire années. Safa et moi, on ne s'est pas parlé pendant 2 ans. Enfin, on ne s'est pas parlé pendant 1 an. Après ça, on s'est reparlé. Donc elle était venue chez moi à Londres. Et après cette fois à Londres, on s'est de nouveau plus parlé. On s'est de nouveau plus parlé parce que quand elle est venue chez moi, elle a pété un câble encore. Elle n'avait toujours pas digéré encore le mariage. Enfin, je pensais que c'était passé, mais c'était pas passé. Il s'est passé plein de trucs. Enfin, bref, laisse tomber. Donc après ça, on s'est de nouveau plus parlé pendant 1 an. Donc en tout, ça faisait 2 ans. Pendant 2 ans, on s'est pas parlé. Pendant ces 2 années où on ne s'est pas parlé, Safa a rencontré des gens. Bon, moi, j'étais pas au courant à ce moment-là. Je l'ai appris. Donc je vous disais, moi j'étais pas au courant, je l'ai appris une fois que j'ai revu, enfin que j'ai reparlé Safa et qu'on s'est revu genre 2 ans après. Elle a rencontré plein de gens. Elle a pas forcément des bonnes personnes, donc elle a un peu, enfin déjà qu'elle a vrillé sur moi, sur mon mari et moi. Ces personnes-là ont un peu rajouté de seum à son seum, donc elle s'était mise en tête de faire de la musique. Ça m'a jamais dérangé que Safa fasse de la musique. J'en rigolais, hein, ça c'est vrai, honnêtement, j'en rigolais parce que Safa, j'ai toujours dit, tu as une voix de casserole. Genre, ok, c'est vrai, je suis pas une chanteuse de ouf, mais genre, Safa, c'est horrible comment elle chante faux en fait, tu vois. Tu peux ne pas avoir de voix, mais chanter juste, tu vois, mais Safa, elle chante trop faux. Bref, donc je rigolais sur ça et tout, mais c'est vrai que j'avais parlé avec ma maman et je lui ai dit, maman, genre, je pense pas que ce soit une bonne idée de la laisser
de la laisser partir dans ce délire, en fait, parce que sa femme, on la connaît, sa femme, depuis toujours, sa femme est trop sensible, en fait. Sa femme est trop sensible, sa femme est trop fragile. Donc, je vous disais, ça, c'est depuis toujours. Sa femme, ce trait de caractère, elle est très fragile, elle est très manipulable, elle est très, très sensible, elle est très niaise, elle est très tout, en fait, tu vois. Donc, je disais à ma mère, faut faire attention quand même, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée, parce que dans ce milieu, bah, la preuve en est aujourd'hui que c'est un milieu d'enfants de pas très bonnes personnes. Voilà. Pour pas être vulgaire, parce que j'avais promis de pas être vulgaire sur cette story, malgré le feu qui boue en moi. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc, ça, c'est quand on s'est reparlé hein, avec sa femme. En attendant, donc pour en revenir à ces deux années où on ne s'est pas parlé, donc elle a rencontré des gens, donc ils ont nourri son seum, et elle s'est dit qu'elle allait faire de la musique pour me faire concurrence. Donc moi, à ce moment-là, je suis au courant de rien. Donc, elle contacte, il y avait une histoire qui était sortie déjà comme ça, elle contacte une personne, elle lui dit qu'elle veut m'éteindre, elle veut faire de la musique, elle veut... Je vous disais, il y avait une phrase qui était revenue quand cette personne-là, qui était anciennement producteur ou manager, je ne sais plus, qui disait, oui, en gros, sa femme, une fois, elle a dit en mode, j'ai carrément genre, j'ai envie d'être connue pour arriver au Energy Music Award et me retrouver face à ma sœur, et au final, c'est moi qui gagne. Donc, elle était vraiment matrixée à ce moment-là, elle était en N++ sûrement. Chose que j'ai eu du mal à accepter quand c'est sorti, je vous mens pas, je me suis dit, putain, mais... Genre, c'est Safa, quoi. C'est Safa, c'est mon bébé. Ça a toujours été mon bébé, en fait, Safa, tu vois. Et c'est vrai que ça a été très, très dur pour moi à encaisser, en fait. Et je me suis dit, merde. Enfin, pourquoi on en est arrivé là, en fait? Qu'est-ce qui nous a poussé à en arriver là? Donc, c'était un tas de remises en question et tout. Mais bref, je passe cet épisode. Du coup, donc, pendant cette période, donc, il se passe ça. Et elle rencontre d'autres personnes. Elle rencontre des... Donc, elle rencontre un mec. Et ce mec-là, en fait, elle va tellement se sentir à ce moment-là seule qu'elle va en faire son monde, en fait, de ce mec-là. Et encore une fois, moi, je ne suis pas au courant à ce moment-là que de la vie de sa femme tout court, en fait. On ne se parle pas, quoi. Donc, elle vrille, elle traîne avec des mauvaises personnes, elle rencontre un mec... Et il s'avère que ce mec-là, il cherche plus des infos qu'à être avec sa femme, en fait. Donc, elle lui raconte nos problèmes de famille. Elle lui dit que tout ça, c'est de la faute de mon beau-frère, de mon mari, du coup, mais de son beau-frère, que c'est lui qui m'a volé à eux. Enfin bref, elle bave beaucoup sur mon mari, elle bave sur moi, elle raconte plein de trucs. Donc... Et du coup, ce mec-là, enfin, pour raconter dans l'ordre, Safa est donc dans une grande... Elle tombe dans une grosse dépression. Une grosse, grosse dépression. Au début, c'est ma mère qui m'appelle, donc moi, je parlais toujours pas à Safa. Et au début, c'est des appels répétitifs de ma mère qui me dit « Ta sœur, elle va pas bien, ta sœur, elle va pas bien, ta sœur, elle va pas bien. » Et je lui dis, ouais, mais elle fait son cinéma et tout, genre, en mode, elle fait... Moi, je suis dans mon délire, en mode, mais maintenant, elle veut faire, elle, la victime, alors que c'est moi, en fait, la victime dans l'histoire. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là, en fait, parce que je suis sur les embrouilles, je suis sur rien de ouf. Et donc, je lui dis, non, mais elle fait exprès, elle fait la comédie. Et ma mère, elle me dit, non, mais ta soeur, elle va vraiment pas bien. Genre, je suis pas ouf. Et elle appelle toutes mes soeurs comme ça. Et elle dit, je vous le dis, en fait, votre soeur, ça va pas, en fait. Elle commence à débiler, en fait. Elle commence à péter les plombs, en fait, de cette situation, de tout ça. Et des appels à répétition, c'est des appels et des appels et des appels. Et au début, c'est ça va pas du tout. Après, c'est elle a perdu du temps étant de poids, de kilos. Elle mange plus. Elle commence à s'embrouiller tout le temps avec ma mère, alors que bah, nous, enfin, comme tout le monde, en fait, je pense, on manque pas du tout de respect à ma mère. On parle pas mal, on n'a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. Et là, ça commence un peu à vriller entre sa femme et ma maman. Donc bon, moi, je me dis, bon, il y a peut-être un truc. Mais à ce moment-là, je crois que j'étais à Dubaï. Et je me dis, bon, je réglerai ça quand je rentrerai. Je rentre de Dubaï. J'habitais à Londres encore à ce moment-là. Et je reçois un appel de ma grande sœur, donc l'aînée. Elle me dit, écoute, Safa, elle est arrivée chez moi.
Elle est arrivée chez moi et ça va pas du tout. Donc je lui dis comment ça? Elle me dit je vais t'envoyer une vidéo. Elle m'envoie cette fameuse vidéo et puis là je vois sur la vidéo sa face genre vachement vachement amaigrie. Je vois c'est pas qu'elle a des tocs, mais en fait elle est vachement genre en fait elle est en train de manger sur la vidéo, elle mangeait des nouilles et elle était genre comme ça en mode recroquevillée, mais genre quand je vous dis toute maigre, genre toute maigre en fait, tu vois. Et on sait que sa femme elle était quand même bien importante. Et là je pars en crise en fait, je me tétanise, je suis chez moi et tout, et je dis à mon mari c'est mort, on va aller récupérer sa femme en fait. Donc on prend la route de Londres ce soir-là. Donc on prend la route en voiture et je dis à ma grande sœur, écoute, ramène-la à Paris et nous on la récupère à Paris. Elle me dit ok et tout. Donc à ce moment-là, on ne met pas ma mère au courant parce qu'on se dit bon, on ne sait pas encore ce qui se passe. Si, moi à ce moment-là, je me dis si nous on peut gérer entre sœurs le problème, on le fait et on préserve maman parce que si... Du coup, je vous disais, on disait si maman est courant de ça, bref, elle va péter les plombs, ma mère elle est plus toute jeune donc. Donc bref, je la récupère à Paris. Quand j'arrive à Paris et qu'elle est dans la voiture de ma sœur, ma sœur me dit, il va falloir que vous la sortiez de la voiture. Puis je me dis, bah attends, pourquoi enfin, genre, sort, quoi. Et en fait, c'est avéré que sa femme elle arrivait presque plus à marcher, en fait. Elle était tellement affaiblie qu'elle arrivait pratiquement plus à marcher. Donc en fait, c'est mon mari qui a dû la porter jusqu'à notre voiture. Alors là déjà je vous dis genre c'était un déchirement, c'était incroyable, incroyable. Wallah, si vous saviez comment c'était incroyable, comment je m'en suis voulu. J'ai dit putain mais en fait j'aurais dû capter que c'était pas. Ça m'a rendu ouf là de faire même de me snapper, c'est difficile genre. Du coup à ce moment-là je me rends compte que je vais pas pouvoir y arriver toute seule. Je pense à la gérer en fait, à gérer sa dépression et là j'appelle mes soeurs et je leur dis va falloir le dire à maman parce que je pense qu'elle va avoir aussi besoin de maman. Donc je prends un Airbnb sur Paris et tout le monde vient sur Paris, toute ma famille. Donc là on est autour de Safa, on l'accompagne, on fait tout en fait, on fait tout pour qu'elle aille bien. Au début on voit pas beaucoup de résultats. Et Esther, et elle nous reproche énormément de choses à chaque fois. Et pourquoi toi ça? Et pourquoi toi ça? Et pourquoi? Et même à ma mère, et pourquoi toi ça? Et pourquoi toi ça? Ça a été très 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 difficile pour tout le monde. Et donc en fait, Safa, pour en revenir aussi aux réseaux sociaux, c'est elle qui a décidé d'arrêter les réseaux. Je vous disais, elle a décidé d'arrêter les réseaux sociaux quand ça commençait à pas aller. En fait, ma mère m'a dit, un jour, elle a fait une crise, elle a dit, même. Genre même ce téléphone et tout, en mode, genre je veux même plus tout ça en fait, tu vois. Parce que pour elle, c'était aussi la musique, mon entourage du coup, mon nouvel entourage dans la musique qui a fait en sorte qu'on se sépare elle et moi, qu'on s'embrouille. Elle voulait plus aucun lien avec ça. Donc elle a coupé tous ses réseaux, tout, 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 tout. Mais ma mère et mes sœurs avaient même pas le droit de la filmer, genre, mais de leur téléphone à elle. Pendant qu'on se parlait pas, elle et moi, genre, même elle entre elles, elle les laissait pas la filmer. Donc, après, donc, y a eu, donc, je vous ai dit la dépression, le passage, on est à Paris. Donc là, vous pensez bien qu'elle est non plus pas en réseau, sur les réseaux, enfin, elle a pas envie d'être sur les réseaux. Donc, c'était très dur, c'était très, 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 très dur. Et on a eu. Donc, je vous disais, ça fait maintenant 2 ans et demi ouais, 2 ans et demi qu'on est en combat, en gros combat contre la dépression de Safa. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. En fait, elle va bien. Elle a repris du poids. Elle avait repris beaucoup de poids, Alhamdoulilah. Par contre, ça lui a laissé encore un peu de séquelles pour l'instant. Par exemple, elle a peur de se retrouver avec du monde. Elle a, genre, sa fat, tu peux plus la mettre, par exemple, je dis n'importe quoi, genre dans un anniversaire, par exemple, où il y a beaucoup de monde, c'est impossible. Plein de petits comme, genre, ça s'appelle l'agoraphobie, je crois, quand t'as peur du monde. Comme quand elle était venue, enfin, non, pas été venue, quand elle est partie de Forbach à Marrakech, elles ont eu un retard de vol, ma mère et elle, et en fait, carrément, ils leur ont fait changer d'aéroport, donc elles sont passées de Orly à Charles de Gaulle. Donc,
Donc, je vous disais, l'aéroport a pris donc à charge le déplacement. Et donc, elles ont dû prendre un car, en fait, avec tous les passagers du même vol. Et il y avait du monde. Et sa femme, elle a commencé à faire une crise d'angoisse. Donc, ma mère, elle m'a appelée. Elle m'a dit, écoute, parce que je vous ai toujours... Enfin, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes stories, sa femme, elle a toujours fait des malaises vagales. Donc, elle s'évanouissait régulièrement. Et donc, c'est souvent moi... Enfin, c'est moi qui l'a gérée, qui savait gérer, qui savait la réveiller. Et donc, du coup, ma mère m'a appelé tout de suite. Elle me dit, écoute, j'ai l'impression, on dirait qu'elle va s'évanouir et tout. Genre, elle se sent pas bien, je fais quoi et tout. Et je lui dis, passe-moi sa faim. Elle me passe sa faim. Et en fait, sa faim, elle me dit, non, j'ai pas envie de m'évanouir, j'ai envie de crier. En fait, je me sens oppressée, j'ai envie de crier. Et enfin, bref, c'est des phases comme ça qu'elle a encore. Mais sinon, elle va très, très bien, très, 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 très bien, alhamdoulilah.